Eh bien, nous voici en live. Logiquement, tout est au point. Trop cool. Ah, je suis presque à l'heure. Ah non, je suis pile à l'heure, hein. C'est encore mieux. Hop. Salut Pierre, ça roule? Bah dis donc, fidèle au poste. J'ai vu qu'il y avait déjà des spectateurs qui étaient en attente. Là, il y avait 2-3 personnes. Bah là, 5, 3. Voilà, ça y est, ça commence à arriver. Valentin, salut. Salut, salut, on va parler de toi, Valentin. Me mets un petit mémo. Je me mets un mémo. Tac. Jean-Michel, ça roule? Merci d'être là. C'est sympa. Jean-Michel, je sais que tu bosses logiquement, hein, toujours. Mais c'est sympa d'avoir des abonnés qui regardent les lives au boulot. On va dire que je vous tiens compagnie, hein? On va dire ça comme ça. Est-ce que je peux pas baisser encore un petit poil ça là? Ouais, peut-être un poil mieux. Ouais, bon. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Pierre, bébé va bien. Louise Amber va parfaitement bien. Elle se porte bien. Elle a fêté le jour du 4 mai. Star Wars, elle a fêté ses 2 mois. Et ça, c'est trop bien. C'est trop marrant, je me suis fait la réflexion, je me suis dit tiens c'est cool, c'est une date à retenir, hein, c'est facile, easy. Oui Jean-Michel, bah ouais je sais que tu bosses, bah, c'est comme ça, hein, écoute, il faut bien. West Miniature, ça roule, merci d'être là, trop bien. On a les piliers, le socle de la chaîne. Bon j'ai mis une petite laine parce que je pense que ça a caillé tout à l'heure dans le studio, donc je préfère prévenir plutôt que guérir. Qu'est-ce que j'ai foutu avec ce truc-là? Bref, c'est moche, on s'en fout. Ça tient chaud. Oh putain. Ah, c'est une catastrophe. Voilà, c'est vachement mieux. On va faire le tour de l'actu. Et puis, on va faire de l'unboxing aujourd'hui. Voilà le programme. J'ai récupéré quelques petites bricoles dans les magasins ces derniers jours. Et je voulais partager ça avec vous. Vous avez déjà pu voir un petit peu les shorts ou YouTube ou TikTok. Albator 84, ça roule. Où est-ce que je mets toutes mes trouvailles? T'as la réponse derrière. T'as la réponse derrière. Les trouvailles, je les mets derrière. Et alors, c'est une excellente question parce que je me disais ces jours qu'il y a des choses que finalement je n'expose pas dans mes collections. Vous savez, j'avais récupéré notamment les cartes Pokémon qui sont là. Je viens de passer devant tout à l'heure. Hein. Et j'ai mis la tenue de, hein, la tenue d'été, hein, ça y est. Les cartes Pokémon que j'ai chopées il y a quelques temps en brocante, j'ai dû payer ça 2 ou 3 euros. Je vais revendre le lot, quitte à le vendre le prix que je l'ai payé. Parce que de toute façon, je ne vais pas les ranger. Je m'en fiche un peu, c'est pas grave. Ça faisait de la matière pour la vidéo. C'est un coup dans l'eau. Damien, ça roule. Bienvenue à bord. J'étais en train de parler avec Damien là sur Instagram juste avant. Parce que j'ai reposté une story d'un mec qui a une collection de dinosaures en résine. Des très très belles figurines qui coûtent bien souvent au-dessus de 400 balles. Hein. Et je lui ai dit, ouais, c'est une collection de dingue. Par contre, ça prend une place de fou. Ça prend un salaire de fou. Et ça prend une place de dingue. Donc c'est une collection que j'aurais bien aimé faire. Et malheureusement, il y a des priorités. Et puis comme ils en sortent assez régulièrement, j'ai perdu le nom de la marque. Voilà, on peut pas. Un de temps en temps, mais c'est pas possible, quoi. C'est trop cher, beaucoup trop cher ces résines de dino. Valentin, on va y venir. Sois pas pressé comme ça. Ouais, ça roule, Damien, merci. Merci, merci. Le tour de l'actu, bah, il y a un petit peu de gaming comme d'habitude, un petit peu beaucoup, parce qu'il se passe beaucoup de choses en gaming ces derniers temps, console et jeux vidéo. Il y a des bricoles en science, il y a de la bricole. Je vais changer de matériel aussi, je vais vous montrer. Je vais changer de matériel, je vais commander ça dans les jours qui viennent. Je vais vous parler d'un truc aussi que je vais commander au mois de juin. Ah non, ça sort peut-être bien. Je crois qu'elle va être dispo peut-être fin mai. Donc je l'aurai peut-être à partir de fin mai, on va voir, on va parler de ça aussi.
Damien, Prime One, la marque, eh bien, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que je crois que ces résines de dino, moi, j'ai une autre marque en tête. Hein. J'ai une autre marque. Est-ce que je peux ouvrir une nouvelle fenêtre? Oui. Résine dinosaure. Ça, alors, il y a Prime One, apparemment, ouais. De collection. Comment je peux le mettre? Collectible. Alors, tu as Prime Collectible, tu as déjà ceci, et tu as une autre marque qui ne fait pas que ça, ils font aussi, je crois, ou du super-héros, des choses comme ça. Et c'est pareil, mais bon, là, en l'occurrence, ils sont à 150 balles, hein, les Prime Collectibles. Brachiosaur de 35 cm de haut, alors c'est pas le Brachio du siècle, hein, le Brachio, je vais vous le mettre en... Non, je ne veux pas vous le mettre, il n'est pas vendeur. Hein. Il n'est pas si vendeur que ça. Je vais le mettre dans les onglets, on va en parler. Allez, hop. En plus, il y a une news un peu jurassique aussi, là, donc c'est cool. Allez, hop, là. Je le mets dans les onglets. Iron Studio, ouais, merci. Alors, il y a eux et il y en a d'autres. Il y a Iron Studio et il y en a encore un autre. J'ai perdu. Patrick Jamais, salut, ça roule. Benoît Droguet, salut à tous. Et ben voilà, super, on a tout le monde. Albator 84, belle passion. Alors, écoute, je sais pas si c'est une belle passion. C'est une passion qui, malgré les petites sommes, finit par coûter un petit peu d'argent, hein, quand même, l'air de rien. Hein. Surtout quand je cumule plusieurs brocantes sur le même jour pour vous faire du contenu au fil des jours. Je vais y venir d'ailleurs à ça, tiens, on va en parler tout de suite. J'hésitais vraiment, vraiment, vraiment à faire plus qu'une seule vidéo le dimanche, en fait. Plus qu'une le dimanche pour étalonner mon contenu. Parce que je suis en train de me rincer, hein, tout simplement, que j'ai du boulot aussi avec ma boîte de prod, que je voudrais peut-être faire du contenu pour la chaîne Lego, que je voudrais peindre aussi. J'ai envie de peindre en ce moment et j'arrive peu à me dégager, à dégager peu de temps pour la peinture. J'ai fait mon expo d'art la semaine dernière qui a bien fonctionné. J'ai vendu des toiles, donc ça, c'est cool. Voilà, donc pour l'instant, c'est toujours le rythme de mercredi et dimanche. Je vais voir comment ça se goupille, fonction de comment prennent les vidéos. Peut-être que je ralentirai le rythme avec une seule sortie par semaine, ce qui sera déjà bien. Mais je préfère mieux le faire plutôt que de faire du contenu à l'arrache. Même si j'essaye de m'appliquer à chaque fois, je sais qu'il y a des contenus qui sont moins intéressants que d'autres. Et c'est comme ça. CCL77, bonsoir, bienvenue à bord. Voilà, vous savez quoi à ce propos. 1. Je vais vous parler de quoi d'autre? Je lis mes petites fiches, j'ai mon post-it. Ouais, donc ça, on a vu. Je peux rayer. Ouais, bah ouais, ouais. Bon, Damien, c'est pas le problème de prendre du temps pour moi, c'est de prendre du temps pour la peinture parce que j'ai vraiment envie de peindre. Je sais que je suis en train de renouveler ma gamme de tableaux et que mon style est en train de prendre. J'ai eu de très très bons retours sur le Goldorak que je vous avais montré. Très bon retour sur le Goldorak, j'ai eu de très bons retours, j'ai eu moins de retours, mais j'ai eu des bons retours sur Lucky Luke que je vous ai montré la dernière fois. Et là, pour le coup, je vous en montrerai un en fin de vidéo, je suis en train d'en sortir un qui va partir au Brésil. Je vous le montre en fin de vidéo et il va être cool. J'avais un thème plus ou moins imposé là, qui était pas mal, mais voilà. Christophe Lalu, tu vas bien? Bon, super, on est nombreux ce soir, j'aime bien. Quoi vous dire? Clem Milouz, salut. Eh bien, écoute, bienvenue à bord, Clem, qui dit « Bonsoir Lumpy, premier live que je ne loupe pas cette fois. » Eh bien, c'est cool. Et Clem, j'imagine que tu m'as connu encore par les vidéos de brocante, à mon avis. Alors, comme vous avez pu le voir sur les vidéos de brocante, je ne sais pas pourquoi, il se trouve que j'arrive à trouver du gaming. Souvent, je passe après la bataille. Et là, ça fait quelques brocantes, au moins une ou deux, que je trouve du gaming. Et puis, pas du petit lot, quoi. Donc, j'arrive à trouver des trucs cool. Là, il y a des trucs que je vais poster, bah, qui sont dans les tuyaux, d'ailleurs, qui sont déjà dans les tuyaux, prêts à être postés mercredi et dimanche. Où vous allez voir que je récupère encore du gaming. Donc, je suis en train de me faire une belle collection de jeux. Parfois, j'achète des jeux et je ne me rends pas compte, mais je les ai en double. Bon, bah écoutez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et on va... On fera peut-être une vidéo de cette collection où je ferai un short ou un truc comme ça de cette collection de jeux que je me fais petit à petit.
Et puis voilà, parce que même si vous n'êtes pas gamer, je trouve que c'est assez chouette à voir en collec dans une ludothèque, voilà. Michael Barbu, bah écoute, je t'ai pas vu, Michael. Michael Barbu, bonjour. Si t'étais perdu entre Damien et Albator, c'est Albator qui m'a trompé. Michael Barbu, eh bah écoute, c'est cool, bienvenue à bord. Je suis désolé, je suis un malpoli. Tu étais tout transparent au milieu de tout le monde, je suis désolé. J'ai trop de monde sur le chat. Cool. Et si on attaquait un petit peu le planning de l'actu là, que je me suis sélectionné pour vous. Donc Clem qui me dit que je lui ai donné l'envie de collectionner du Hot Wheels et Matchbox et je suis déjà et que tu es déjà pas mal de, voilà, il a déjà acheté du Matchbox et du Hot Wheels. Si Matchbox et Hot Wheels pouvaient voir ça, ça serait pas mal parce que ce qui serait cool, c'est qu'ils m'en envoient quelques-unes parce qu'on y laisse l'air de rien, c'est que même si on arrive à trouver pas cher aux alentours de 2 euros ou 2,20 euros, c'est les prix que j'ai chez Leclerc. Enfin, pas moi, c'est les prix que Leclerc pratique sur certaines Hot Wheels. On y laisse quand même des plumes, donc j'aimerais bien et en avoir pour ma collection perso à vous montrer, et peut-être en avoir aussi en cadeau à donner sur mes lives. Donc si Mattel Hot Wheels ou Mattel Matchbox voit ce live, j'aimerais bien qu'il me contacte. J'avais déjà essayé de faire une approche. Ça viendra, je pense que ça viendra assez naturellement. Je connais une autre chaîne qui fait de la présentation de jouets, je serais guère étonné que cette chaîne soit très largement graissée par les marques parce qu'il fait beaucoup de vues. Donc, à mon avis, je pense qu'on lui file des trucs pour qu'il les présente. Mais je suis enclin à être sponsorisé, ça serait cool. Au moins en matériel. Alors, il y a Mickaël qui me dit... Papapam, qu'est-ce qu'il me dit, Mickaël ? Michael qui dit que s'il ne pleut pas dimanche, il va aller faire un tour dans deux belles brocantes. Je ne vous cache pas que moi, j'aimerais bien trouver des brocantes le samedi. Comme ça, moi, ça me dégage le dimanche. Il se trouve que demain, il n'y a que dalle. Donc demain, je vais faire un jour off parce que je vais prendre du temps pour peindre le tableau qui est derrière, que je vous montrerai tout à l'heure. Entre autres, parce que je vais en démarrer un autre aussi. Je vais sûrement faire du tableau fou du volant. Ça va être marrant. J'ai des brocantes dimanche et j'ai des brocantes lundi aussi. Donc, si je peux en faire 3 ou 4 dimanche et 3 ou 4 lundi, j'aime autant vous dire que les semaines qui viennent vont être bien remplies en montage et qu'au moins, ça va me faire beaucoup d'avance et ça, ce serait pas mal. C'est pour ça que je vous dis que si je prends un rythme à une seule vidéo par semaine, notamment le dimanche, et que je monte ces vidéos, elles vont me combler plusieurs semaines. Et ça ne m'empêchera pas d'être actif sur les shorts ou les TikTok ou les choses comme ça. TikTok qui commence à faire pas mal d'abonnés. Je vais pas fêter la chose avant que ça arrive, mais on est quasiment à 3300 abonnés sur la chaîne. C'est vachement bien sur YouTube. Et TikTok, je vais être à mes 2500 abonnés assez rapidement. Là, ça y est, d'ici semaine prochaine, je les ai. Eh bien, Christophe Lalu, tu lis dans mes pensées. Effectivement, il y a de fortes chances que je fasse un Satanas en tableau avec couverture de Vogue, Satanas, peut-être du Hot Wheels dessus. Je suis en train de réfléchir au truc. Mais tu as bien raison, ce sera un Satanas, très probablement. Ouais, Jean-Michel qui dit énorme les fous du volant, ouais. Et en fait, j'ai parlé avec les gens que j'ai vus dans mon expo, enfin à l'expo d'art dimanche dernier. Et je leur ai dit que j'allais faire du fou du volant. Et au final, en y réfléchissant, finalement, entre l'art et ce que je fais sur YouTube, vous voyez, on est toujours dans cette nostalgie des trucs qu'on voyait à l'époque. Je pense que je vais faire un inspecteur gadget très probablement aussi en vogue. Et en fait, je surfe sur cette nostalgie sans le vouloir. C'est juste que j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent. Et c'est marrant que les deux, entre la chaîne YouTube et les jouets que je récupère et ce que je vous montre et l'art que je fais, finalement, ça match. C'est assez rigolo, donc ouais, je trouve ça cool. Christophe, Benoît Droguet, choper l'application Wano pour référencer les jeux. Oui, c'est vrai, il y a des applications pour référencer les jeux pour ne pas les acheter en double, en brocante. Bon, c'est pas très grave. Ça te fait des jeux à l'échange éventuellement, tu vois. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, on va passer à l'actu. Et puis, si ça me revient, eh ben, on va parler de ce qui me revient. Et puis voilà. Et paf, la girafe. Hein ? Tac. Je passe sur mon écran.
Donc, on parlait des figurines. J'ai presque envie. Ouais, non, si, on va être comment là? J'y suis là? Ouais, c'est ça. Hop là. Magique. Je vais parler des figurines dont on parlait à l'instant là. On parlait de Prime One Studio. Alors, Prime One, effectivement, c'est Prime One. Tout à fait. Par exemple, on a. C'est Sideshow Collectible. Ça y est, je l'ai retrouvé. La grosse marque qui fait du gros dino qui déchire. Donc, c'est Sideshow Collectible. Donc, je vais m'empresser de récupérer la page rapidement. Vous allez déjà voir sur Prime One Studio. Je vous montre vite fait le Brachiosaur. Brachiosaur qui a la licence Jurassic, hein, qui est quand même super beau. Laurent de la brique randonneuse. Comment ça va, Laurent? Bah écoute, c'est cool de te voir là. Trop, trop bien. Christophe, Satanas dans The Outrod. Non, généralement, les vogues que je fais, les tableaux que je fais, vogue, c'est juste des bustes. Bon, écoute, on verra ce que ça donne. Donc, on va voir sur Prime One Studio qu'ils ont la licence Jurassic. Brachiosaur ou un 38e. Vous voyez un petit peu le prix, 186€. On le trouve à moins cher, aux alentours des 140-150€. Je trouve que 35 cm, c'est pas mal, mais c'est pas non plus fifou. Hein. Donc, vous en avez juste pour l'argent que vous y mettez. Je vais vous montrer Sideshow Collectible. C'est ça que je voulais vous montrer. On va aller sur leur site. Je vais voir s'ils ont du dino encore. Je sais pas sûr. Hein. Ils ont du Transformers, par contre. Ah, je vais peut-être plus trouver de dino chez eux, hein, malheureusement. C'est dommage. Je vais voir s'ils ont... on va aller voir les Transformers chez eux. Ah, c'est peut-être chez Hot Toys, on va voir. Est-ce que ça charge? Ouais. Donc, vous allez voir les figurines qu'ils ont. Je vais aller voir sur le Megatron MDLX. C'est de la belle bête, hein. Attention les yeux. Regardez la finition du Megatron MDLX. Il déchire. C'est non transformable. C'est de la résine exposée. Hein. Par contre, ça déboîte. On peut avoir plus de photos, par exemple. Voici, est-ce que je peux... Ouais, ça marche. Oh, est-ce qu'il a l'air de se positionner? On peut peut-être lui donner une posture. Donc, ils sont articulés. Alors ça, c'est carrément bien. On peut lui changer les mains. Ok. Salut Fritzig, Frixig, Zig, 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 Zig. Hein? Merci de suivre le live. On va se faire plaisir ce soir là. Il y a plein de trucs jolis à voir. Vous me dites ce que vous en pensez là du Megatron, mais je trouve qu'il déboîte. Avec le canon dans le dos. Voilà, voilà pour le Megatron chez Sideshow Collectible. Est-ce qu'on a le prix de la petite bête? 74€. Donc c'est un petit. On va aller voir les autres. Est-ce que dans le shop, on peut choper des trucs là? Donc, voyez, on a de la figurine à 500 balles hein, quand même. Hein. Je vais voir si je peux vous montrer un truc qui est bien cool. Ouais, je pense que celui-ci, il parle de lui-même. Hein. Le Scout Trooper, 426 balles. On est sur un truc qui fait quand même... Scout Trooper... Je voudrais bien... Faites la conversion vous-même. Malheureusement, je suis désolé. Ça fait de la pièce qui fait 30 ou 40 cm. Ouais, vous voyez la pomme, on est sur de la pièce qui fait 35-40 cm de long, un truc comme ça. Ça fait quand même de la belle chose. Hein. Du bel ouvrage. De la belle ouvrage. Film Sniper, salut, ça roule, bienvenue à bord. Merci d'être là. Je crois que tu es nouveau sur la chose. Enfin, en tout cas, tu n'avais pas commenté sur le chat. Michael Barbu, tu as fait une brocante il y a 2 semaines. Le temps n'était pas favorable. Ouais, j'ai fait une brocante le week-end dernier, c'était pas terrible non plus. Par contre, j'ai trouvé des trucs, les gens étaient restés. Et en fait, comme la météo était pourrie, c'est là que j'ai trouvé un gros lot de jeux vidéo parce que personne n'avait fait la ramasse avant. Christophe, je suis d'accord que 500 balles, c'est exagéré. Voilà, vous voyez un petit peu Sideshow Collectible. Bon, écoutez, je vous encourage à aller voir la chose. Est-ce qu'ils n'ont pas du Jurassic là? Eh ben non. Eh ben si. Eh ben quand même.
Ah bah écoute, Christophe, hein, tu vois, tu disais 500 balles, c'est exagéré. Je vais te montrer le T-Rex. 1000 balles, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Sideshow en vente sur Vinted, pourquoi pas? Bien vu, Pierre. Merci pour l'astuce. Le T-Rex déchire, voilà, c'est de la belle pièce, hein, carrément. Même la finition des personnages, on est quand même plutôt pas mal, hein, sans déconner. C'est fat, hein. C'est ultra fraîche. Donc voilà, hein, écoutez, c'est du Iron Studio. Est-ce qu'on a une taille de la chose? C'est au 1 20e. Des tailles. Je n'ai pas la taille. C'est pas non plus. Voilà, hein, 48 cm de long sur 27 de haut et 36 cm de profondeur. C'est pas mal, mais c'est. Bon, après, il faut de la place, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Film Sniper qui est abonné à ma chaîne depuis un moment, mais il était dans l'ombre. Bah écoute, bienvenue à bord sur le chat. Voilà. On va passer sur autre chose. À l'occasion de la 30e, du 30e anniversaire de Jurassic Park, et ben vous allez découvrir les nouvelles choses qui sont en vente. Je vous avais présenté ces trucs-là quand j'avais fait un short ou un TikTok chez Leclerc Jouet à Clermont-Ferrand, pour ne pas les citer. Donc vous allez pouvoir trouver des coffrets de ce genre-là, là. C'est des coffrets, on va dire, entre 30 et 50 euros. Ça fait le taf. Je trouve que c'est assez sympatoche. C'est pas énormissime. Vous avez le Raptor dans son œuf, la naissance du Raptor, le Dilophosaure. Je l'avais dit aussi la semaine dernière, le Dilophosaure dans Jurassic Park avec sa collerette. La collerette, elle n'existe pas sur le Dilophosaure. Ça, c'était une vue d'artiste pour le film. Le T-Rex, je l'avais montré sur un short tourné au Leclerc Jouet de Clermont. Donc, c'est sympatoche. Par contre, si vous regardez bien la finition de la petite vitrine, je trouve qu'on est trop plastique. Voilà, on cherche trop à être. Soit tu fais un truc de qualité, et tu le vends 60 balles ou 65 balles, soit tu le fais pas, parce que là, je trouve qu'une licence Jurassic Park, elle mérite un petit peu mieux que ça. Et même sur des résines qui coûtent 200-300 balles, des fois, je trouve qu'on a trop l'impression que c'est plastoc, quoi. Il y a moins de finition. La scène avec les Raptors est sympa, par contre, la gueule des Raptors, je suis beaucoup moins fan là. Hein. On est dans le cheap, voilà, c'est ce que je disais. C'est digne d'une vitrine d'un mec qui fait ça chez lui. Et je trouve que même Damien, qui avait fait sa vitrine Tortue Ninja que j'ai présentée la semaine dernière, je vous encourage à voir le replay du live. Damien, sa vitrine Tortue Ninja, je suis désolé, bien mieux faite que ça. Voilà. Voilà. Je vais vous parler de la Switch 2 qui est dans les tuyaux. On passe sur du gaming. Elle est dans les tuyaux et elle serait cross-plateforme. Alors, cross-platform, ça veut dire qu'un jeu acheté sur une est jouable sur une autre. C'est comme ça que moi je l'entends, hein, soyons clairs. Hein. Donc, affaire à suivre sur la Switch 2. J'espère qu'elle sera bien plus puissante et qu'elle sera aussi un petit peu destinée aux gamers. Parce que moi, la Switch, je la déballe quasiment plus. Je vais essayer de me récupérer un Advance Wars qui est sorti, là, qui est un remake de ce qui était sorti. Mais Nintendo, à part du Mario et de l'Advance Wars en remake ou des jeux en remake à tour de bras, au secours. Voilà. Je regarde ce que vous me dites sur le chat. Christophe, pour le diorama du T-Rex, ouais, bah 1000 balles de belles vacances, c'est clair. Michael, je regarderai sur YouTube un petit nouveau YouTuber, Bricabroc. Il a fait une vidéo et tu vois, et on voit ton stand. D'accord, pas de problème. Amazon, un peu moins cher, certains 25 euros. Ok, bon, bah écoute, c'est bien. Si effectivement les petites vitrines sont à 25 balles, ça vaut 25 balles, pas plus. Les scènes du film, ça claque, oui, effectivement. Michael qui dit le stand avec la figurine sur la scène de la scène du château de Matrix, toujours pas vendu, d'accord. Christophe, les tortues. Ouais, le diorama de Damien sur les tortues ninja, vraiment top. Hein. De rien, Damien. Allez hop, je continue. Des news sur la PS5. La PS5, une nouvelle console se confirme. Oui, donc la PS5 va évoluer. Il va y avoir une PS5 Pro, logiquement pour 2024. Donc c'est une console qui continue d'évoluer.
Je sais pas si je vais la prendre ou pas. Pour l'instant, j'ai rien qui m'a fait triper, je vous l'ai déjà dit. Bon voilà, écoutez, on va attendre ce qui se passe, attendre de voir ce qui se passe. On a des. En fait, ils arrivent à choper les pré-mises en vente. Enfin, voilà, ils savent qu'il y a une nouvelle console dans les tuyaux quand ils regardent les brevets qui sont déposés par Sony. C'est comme ça qu'on le sait. Voilà. Au niveau de la ROG Ally, vous savez, la concurrente du Steam Deck, la console portable, eh ben, en fait, il va y avoir plein de consoles qui vont sortir. La ROG Ally va être relâchée à partir du 11 mai, hein, donc on en saura plus à ce moment-là. Elle est plus chère de au moins 100 € par rapport au Steam Deck. Elle est beaucoup plus puissante. Elle est surtout cross-client. Les clients, c'est les logiciels qui font tourner les jeux chez Epic Games, qui font tourner les jeux chez Steam et compagnie, chez Microsoft aussi. Donc voilà, on a Laokazoe, Laianeo et GPD. On a plein de futures consoles portables qui vont être concurrentes au Steam Deck. La prochaine, c'est effectivement l'Asus ROG Ally, qui va être, donc, je vous dis, relâchée le 11 mai. Dans la foulée, alors il y a une console chinoise, j'ai perdu le nom, je crois que c'est la Yaneo. Elle coûte hors de prix et elle est déjà aux oubliettes. Hein. Donc, il va falloir se méfier si vous achetez un truc, de pas vous planter. La ROG Ally, je pense qu'elle a de beaux jours devant elle parce que vous avez la possibilité de jouer aux jeux Epic Games. C'est pour ça que les jeux Epic Games, je vous le redis, allez les télécharger gratuitement tous les jeudis. Voilà, comme ça vous pourrez y jouer sur la console portable sans débourser un seul euro. Voilà. Ayaneo, GPD, Aokazoe, donc voici un petit peu les visuels de ces petites consoles. C'est très très joli, hein? C'est très joli, mais bon. Voilà, on ne peut pas tout acheter. Allez, on continue. Sega a racheté Rovio pour 700 millions de dollars. Rovio, c'est ce qu'on fait Angry Birds. Donc Sega, à mon avis, a une petite idée derrière la tête. Je continue. Animal Crossing, pour les amateurs de la chose, on ne sait pas, c'est que du vent. On aurait peut-être un nouveau Animal Crossing annoncé par Nintendo à la Gamescom 2023, vu que l'E3 a été annulé cette année et qu'à mon avis, le salon du jeu vidéo qui a lieu tous les ans aux États-Unis n'aura plus jamais lieu. Voilà, le Covid a eu raison de lui. Je viens de découvrir ça aujourd'hui. Flashback, si vous avez connu le jeu Flashback, sachez qu'il y a une version 2 qui arrive, Flashback 2, et que ça va logiquement être très très beau. Et je suis ravi, c'est Microïds qui sort ça. Alors Microïds, c'est ceux qui vont sortir Goldorak, hein, le jeu Goldorak. C'est pas un jeu triple A. Le Goldorak de Microïds, à mon avis, à vue de nez, c'est un jeu qui va faire entre 12 et 14 en notes. Ça va pas plus loin que ça. J'attends Flashback, on verra ce qu'il en est. Flashback 2, ça va sortir cette année. Si vous l'avez vu passer souvent sur TikTok, le Flipper Zero, c'est un petit boîtier qui sert à hacker pas mal de systèmes, notamment pourquoi pas à répliquer des clés de voiture. Vous pourrez hacker certains feux, certaines pancartes pour changer les prix de l'essence. Vous pouvez hacker les bornes qui sortent de terre. Il suffit que quand quelqu'un est près d'une borne et la déclenche pour la faire sortir de terre, en fait le flipper zéro va scanner la bande passante, il la réplique et après vous avez finalement une télécommande avec le flipper, une télécommande pour la borne. Voilà. Contrairement à ce que vous pouvez croire sur TikTok et voir sur TikTok surtout, il a moins de capacités qu'on peut lui prêter. Mais il a quand même énormément de capacités. Je pense qu'on peut ouvrir à distance des portails électriques ou des choses comme ça. Donc il va falloir faire gaffe parce que c'est quand même un truc qui sert à pirater les choses. Même si à la base c'est un jouet pour se mettre au développement et au petit piratage pour faire mumuse, pour comprendre comment fonctionne le code, le Flipper Zero peut être un atout comme un truc un petit peu redoutable. Voilà. Damien, ah oui, donc il y a Christophe qui dit qu'il aimerait faire un duo avec un Transformers, ça serait bien. Et Damien qui répond qu'il a appris des tutos YouTube, il n'y a rien de compliqué. Ouais, effectivement, non, mais faut pas croire, faire des dioramas pour les figurines, c'est pas non plus hyper. Voilà, c'est pas la mort, hein. C'est beaucoup de matériaux de récup. Je repasse vite fait là-dessus. Voilà. Les matériaux de récup, vous allez.
chez votre banque, tous les ans, ils donnent des calendriers. Quand vous arrivez au mois de février ou mars, souvent les calendriers, ils ne savent plus quoi en foutre, ils les ont. Et moi, j'ai récupéré des lots de calendriers de ma banque qui me servent à masquer quand je fais des pochoirs pour les tableaux. Mais par contre, les calendriers, vous pouvez très bien vous en servir pour faire des dioramas pour vos figurines. Donc ça, c'est quand même très, très cool. Je continue sur les news. On va y retourner. Hop là. On va continuer là-dessus. Il y a Phil Tippett qui était l'homme de l'ombre, enfin de l'ombre, pas tant que ça, qui s'occupait des effets spéciaux de Jurassic Park, qui a sorti un film. Il a mis, je crois, 20 ans à le sortir. C'est un film entièrement en animation stop motion. C'est pour ça qu'il a mis énormément de temps à le sortir. Vous dire que c'est un film à voir, je dirais oui pour la performance artistique. Par contre, c'est un film très noir, très glauque. Je ne le verrai pas, j'ai vu des extraits, ça me suffit. Par contre, esthétiquement et sur le travail accompli, je vous conseille au moins d'aller voir la bande-annonce de son long métrage. Donc le long métrage qui s'appelle « J'ai perdu le nom », merci, bonsoir, bravo. Eh bien écoutez, c'est pas grave, vous le retrouvez. Vous le retrouverez sur le net. Phil Tippett qui a sorti un film d'animation en stop motion. Je vous conseille d'aller voir au moins la bande-annonce. Donc, il a bossé sur Jurassic Park avec Spielberg. Et il a bossé aussi avec George Lucas. Je continue. Oh, c'est juste un petit teasing. Voilà, c'est juste pour vous dire que le prochain Alien est dans les tuyaux. Et que voilà, ils ont sorti une petite photo du facehugger qui est de retour. Avec un clap. Voilà, voilà. Alors ça, je vais y passer. En fait, le mec qui a créé Metal Gear Solid a plutôt vu juste sur ce qui est en train de se passer au niveau de tout ce qui est guerre, science, nanotechnologie. Voilà. Donc, apparemment, il était un petit peu visionnaire. Donc, si vous avez joué à, si vous avez joué à Metal Gear Solid 2, 4 et compagnie, vous saurez de quoi je parle. Et vous saurez de quoi il parle. Bien, on va parler un petit peu de science. L'extraction d'oxygène sur la Lune est en marche. C'est-à-dire que là, ça y est, ils ont trouvé comment créer un réacteur pour extraire de l'oxygène de la Lune. Mars, ça sera pareil, hein, même topo. Un réacteur carbothermique. Ils ont réussi à extraire de l'oxygène d'un sol lunaire simulé dans un environnement sous vide. Voilà, donc ça présage de belles choses pour la prochaine base qui va se mettre en place sur la Lune dans les, je dirais dans les 5 ou 10 ans qui arrivent là. Ça va aller très très vite. Ouais, j'ai trouvé ça cool aussi les phénomènes extraordinaires des flashs nuageux avec des lueurs mystérieuses dans les nuages. Donc vous allez voir quelques clichés très cool. Voilà, ça se crée, sauf erreur, avec tout ce qui est magnétisme dans l'air. Voilà, j'ai trouvé ça marrant. Ah, on a une petite vidéo comme ça, là. Ouais. Ah, ça fait une petite tornade en haut de le... Ah non, c'est des arcs électriques, hein, quand même. Hein. Oh la vache. Voilà, voilà. Est-ce qu'on en a un là? Oui. On le voit moins. Il est moins efficace, celui-là. Moins vendeur. Et là, qu'est-ce que ça dit? Ouais, les arcs électriques en haut de nuage, c'est assez marrant à voir. Donc voilà pour la chose. Qu'est-ce que vous me dites? Ma femme est là. Salut, amour. Quelqu'un a-t-il déjà vu Les Gardiens de la Galaxie? J'ai vu le 1, ça me suffira. Hein. Oh, il est cool, hein, mais voilà, j'en fais pas de cas. J'ai pas vu le 2 et je n'irai pas le voir, ça ne m'intéresse pas. CCL77, si vous voulez voir quelques duos voitures, CCL77 sur YouTube. Eh bien, écoutez, allez voir sa chaîne. Hein. Allez jeter un œil. Sniper, film Sniper, est-ce que j'ai vu la bande-annonce de Gran Turismo? Tiens, merci. Merci, merci. On va aller voir ça. Effectivement. Gran Turismo, le film. Il va y avoir David Harbour, Orlando Bloom. Voilà, donc les autres inconnus au bataillon. Ouais, bon, ben voilà, ça c'est fait. Le trésor. Vous loupez votre trajectoire à l'écran, vous faites reset. Vous la loupez sur la piste, vous pouvez mourir. Yann, tu passes ton temps sur tes jeux vidéo à rêver de courses de voiture. Papa, tu nous dis toujours qu'on doit faire ce qu'on aime. Tu
Tu sais ce que ça coûte, ces voitures. Donc voilà, je vous passe le trailer. Qui jouait des jeux vidéo dans sa chambre pour le sangler. C'est le trailer de Gran Turismo, le film, et je dis pourquoi pas. Voilà, je suis pas hyper hypé par la chose, mais du peu que je vois, je pense que... Dire que ça méritait un film, je suis pas sûr, mais écoutez, c'est bien fait, donc je pense que ça va faire le travail, voilà. Amateur de Gran Turismo ou pas, tout simplement. Christophe, merci messieurs, de l'argent en plus dans ma poche. Voilà, voilà. Le titanosaure, découverte d'un crâne presque entier en Australie. Mon titanosaure qui est le plus grand dinosaure, le plus grand sauropode. Dinosaure à long cou, découvert jusqu'alors. Je crois qu'il y a un peu plus grand maintenant, mais bon, dans l'idée, voilà, voilà la bête. C'est rare de trouver des crânes complets, c'est rare de trouver des squelettes complets. Je crois que le squelette le plus complet doit être complet à 60 ou 70%, ce qui est déjà énorme, hein. de dinosaures. Ouais, alors je vous fais ça aussi, c'est que si vous avez un poil à granuler, attendez un petit peu, les granulés sont en train de baisser, beaucoup, donc voilà. Je voulais vous montrer un petit peu aussi les nouveaux Brick Eggs qui sortent de la bataille d'Endor en Star Wars. Je trouve ça mimi. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ça a le mérite d'exister. Je collectionne pas plus que ça les Brickheads. On aime, on n'aime pas. On va dire que c'est de la pop, de la figurine Funko Pop pour Lego, hein, en Lego. Le R2-D2 est plutôt marrant, hein. Faut reconnaître, hein. Voilà, voyons. Il est marrant. Ça va pas plus loin, hein, sincèrement. Ouais, bref. Faut pas y voir de près, hein. Je vais vous dire aussi que je vais investir sur du nouveau matériel. Alors oui, regardez pas le prix, mais je vais prendre ce boîtier-ci qui est un boîtier Panasonic S52X qui est un boîtier qui va me permettre surtout de remplacer celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le S52X au studio qui fait le point beaucoup mieux sur les vidéos, parce que je galère des fois sur les débriefs de certaines vidéos. Quand j'ai du soleil dehors qui tape sur mes étagères, c'est compliqué, il fait le point derrière. Donc c'est pour ça que des fois je suis flou. Donc le Panasonic S52X, je vais le commander dans les jours qui viennent, il sort ce mois-ci. C'est un boîtier qui va me permettre aussi de filmer encore plus beau. C'est un boîtier qui fait aussi de la photo. Et il y a de fortes chances que ce boîtier soit passé en Netflix Approved. Donc j'ai déjà ma caméra ciné, la Red Komodo, qui est aussi une caméra qui est Netflix Approved. Donc j'ai toujours cette volonté de vouloir faire du contenu pour eux un jour, au moins du contenu qui serait sur la plateforme. Donc on verra, ça viendra, hein. C'est pas mûr, c'est pas mûr. Mais si effectivement le S5 2X finit par être approuvé en Netflix Approved, je me retrouve avec deux caméras et ça, ce sera top du top. Parce que ça permettra de faire du multi-angle sur de la prod en question si je venais à faire des choses pour eux. Voilà, je vous le dis encore, je ne suis pas un mytho, c'est des projets, ça verra peut-être jamais le jour, mais c'est un truc que j'ai envie de faire et je le dis déjà depuis 2-3 ans minimum. Voilà, voilà, quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, j'ai un autre truc que je vais acheter. Et oui, eh, mais oui, 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 regardez ce que je vais acheter. Tac, on y retourne. Je vais prendre une imprimante 3D grand volume, une Elegoo Neptune 3 Max. Regardez pas le prix, c'est trop tard, vous l'avez vu. Donc, la Neptune 3 Max, pour la simple et bonne raison que j'ai envie de faire du gros volume. J'ai envie d'imprimer des trucs en gros pour en faire aussi des œuvres d'art. Je voudrais me faire un Goldorak vraiment sympa, une belle pièce que je pourrais vraiment valoriser à la revente. Donc on va se faire des trucs cool en impression 3D. Ça sort, logiquement, c'était prévu pour juin. Et apparemment, elle serait dispo en stock à partir du 8 mai. Donc je pense que la semaine prochaine et dans les jours qui viennent, ça va être le banquier en PLS. Donc voilà, du gros volume. On est sur des plateaux, je crois, c'est 45 par 45 par 50. Je vais vous le dire tout de suite, je crois que c'était marqué dans les caractéristiques que je ne vois plus, mais c'est un truc dans ce genre-là. Et j'ai hâte de me remettre à ça.
Donc elle a tout ce qu'il faut. Je vous la présenterai si je la prends. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. On verra. Voilà, voilà. Bien, bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite actu, même s'il y a eu beaucoup de gaming? Dites-moi tout, hein. Film Sniper. Alors, la manette qui clignote, c'est une Nacon, un contrôleur Nacon Pro, je sais plus quoi, Pro Color Light. Je l'ai acheté chez Leclerc. Elle est à 45 balles chez Leclerc. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. C'est un truc de fou. Je voulais vous la mettre parce que j'ai sorti une vidéo dessus. Tu peux chercher Nacon Pro Light, Nacon Pro Color Light. Donc j'ai sorti une vidéo. Je voulais mettre un lien d'affilié type Amazon. Et manque de bol, Amazon ne l'a même pas. Il n'y a que Leclerc qui l'ont. C'est un truc de fou. Donc elle est super classe. Elle marche aussi bien sur PC que sur Xbox Series X. Je trouve ça génial. Donc, c'est vrai que je m'en sers en déco plus que sur le PC pour le moment parce que je ne joue pas sur le PC. Et ça pourrait me faire potentiellement une deuxième manette sur ma Series X. Voilà, voilà. Bon, bah c'est cool. Merci Christophe. Voilà, je vous demandais votre avis sur le contenu que j'ai créé en actu cette semaine. On va passer tranquille sur du unboxing. Hein, je vous avais promis. Hein. Le unboxing. Je vais faire comment ? Je peux me passer comme ça éventuellement, ouais. Ah, ça peut être cool, ouais. Où est-ce que je passe comme ça? Dites-moi tout. Ouais, si je fais comme ça, je vais être obligé de faire comme ça. On va voir. Donc, vous me dites quoi? Ok. Papapam, tu as acheté où ta manette Pachta? Christophe, c'est bon, allez. Et si on faisait le petit unboxing? Bon, allez, je vous montre, voilà. Donc ça, c'est, vous savez, il est toujours là pour faire joli. On a Lumpy qui est là. Ça, c'est un dino que vous verrez dans une vidéo que je sors, là, qui est dans les tuyaux. Allez, on va faire du unboxing. Hein? Qu'en pensez-vous? Je vous dis que j'ai aussi acheté ceci tout à l'heure. Voilà. J'ai pris Jedi Survivor sur Series X. Donc, j'ai hâte de tester la bête hein, parce que c'est un très bon jeu. Je sais, je ne suis pas Star Wars, je vais me faire pourrir parce que j'arrête pas de le dire. Mais j'ai tellement été un petit peu hypé quand même parce qu'il était sorti en vidéo sur YouTube. J'ai dit, il me le faut. Le personnage a l'air assez charismatique. L'histoire a l'air d'être très bonne. Les décors. Le level design, ça a l'air d'être énorme. Donc, j'ai dit, je tente et j'en aurai au moins un Star Wars dans ma collection. Et je pense que j'ai misé sur le bon. Merci CCL77, c'est cool. Voilà, ça me permet aussi d'avoir un avis de quelqu'un qui est pas forcément là tout le temps, qui me suit. C'est cool, j'aime bien avoir des avis extérieurs. Je vais vous ouvrir quoi? Ah, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Hop, vous avez raté. Allez, je vous montre ça à la fin. Vous savez que j'avais acheté des... Qu'est-ce que j'ai commencé par quoi? Par celle de ma femme. Voilà, j'ai acheté des figurines pop chez Noz à Vichy, là, parce qu'il y avait une super promo. Donc, on est à 6,99 sur ces figurines. On est pas mal, voilà, c'est pas la promo du siècle, je l'ai déjà dit. Mais c'est quand même assez cool de les avoir. Je vais la déballer, hein. Ma femme l'a même pas déballée, tu vois. Elle est belle. Vous voyez les gars, hein. Elle est pas curieuse. Hein. Après, elle va dire, ah, t'as déballé ma figurine. Hein? Est-ce que je peux la sortir comme ceci? Oui. La voici, la petite bête. Regardez si elle est mimi. Elle est mimi, elle est bien finie, il n'y a pas de défaut dessus. Voilà. La petite Wonder Woman en Funko Pop. La voici. Trop mignonne. Donc voilà, elle avait vu ça sur la page la page qu'ils ont du magasin là. Elle me dit ouais, elle est belle. Puis je lui dis te la veux. Ah bah ouais, bon bah, hop, ça c'est fait. Je continue avec quoi? Ah, je vais continuer avec ceci. Star Wars Echo. Pourquoi j'ai pris un Star Wars? Je leur dis encore, c'est pas mon univers. Je vais peut-être m'y mettre. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve que le design de l'écho est vraiment chouette. Donc, on est à 6,99 sur celle-ci. Je m'en sors plutôt bien, hein, toujours.
je vais vous montrer le truc qui est super cool. Vous allez kiffer. Et... Ayez pas cool, Echo. Et ça, vous le mettez dans une bagnole derrière. Il fait toujours, toujours ça. Hein? Moi, je le trouve super bien. C'est une belle petite figurine. Un petit peu de poussière. Non, non, elle est propre. Elle est nickel. Je vais essayer de l'approcher pour que vous puissiez voir. Ah, si je faisais un truc comme ça, là. Est-ce qu'on peut faire le point? Ouais. Voilà. Vous voyez un petit peu mieux la finition de la bête. Cool, hein? Il est super cool. Voilà, l'écho. Dites-moi ce que vous pensez de ces petites figurines. Echo, je suis super fan. Bon, ils vont rester dans les boîtes. Hein. Enfin, la Wonder Woman, je ne sais pas si ma femme va la sortir pour la mettre dans les étagères. Mais moi, Echo va rester dans sa petite boîte toute nette. Hop, voilà. 6,99. Très joli. Je vais continuer. Je vais en garder... ouais, je passe sur celui-là. Allez, hop. Ouais, Jean-Michel, c'est ça. Ça va remplacer le chien que tu mettais sur la plage arrière. C'est clair, mais carrément. Christophe qui dit ça claque. Ouais, ça claque des dents. Manolo, excellent. Bah ouais, ouais. Je trouve que l'écho est super réussi. Il est super réussi. J'ai pas vrai que j'ai tourné mon boîtier, là. Qu'est-ce que j'ai foutu encore, là. Damien qui dit c'est sympa. Bon, mini puft. Hein. Mini puft, regardez. Regardez ça, il est génial. Voilà. Voilà pourquoi je l'ai pris, c'est qu'il est tout minuscule. Il fait de l'haltérophilie et je trouve ça génial, quoi. Et celui-ci, déconnez pas, 4,95€. Hein. Donc, c'était stupide de se priver, vu qu'il est très classe. Alors, il y avait d'autres figurines Ghostbusters, mais c'est les figurines des personnages des enfants là, dans le film qui est sorti, là, Afterlife. Je ne suis pas plus fan que ça. Il est à savoir que c'est une figurine Funko exclusive. Donc là, je ne sais pas si ça vaut quelque chose, cette estampille. Mais j'ai trouvé ça très très bien. Voilà. Peut-être une. Ils ont peut-être la licence que pour ce personnage. Donc ça, ça peut être cool. Je vous montre celui-ci. C'est une édition spéciale Muncher. Le voici. Pourquoi c'est une édition spéciale? Parce qu'il brille dans le noir. Donc le Muncher, je ne l'ai pas déballé non plus. Je l'ai gardé exprès pour vous. Christophe l'a lu, ouais, le petit chamallow, il est génial. Génial, génial. Oh la vache, il tue. Le Muncher, regardez s'il déchire, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez du Muncher? La tête bouge pas plus que ça, hein. C'est pas fait pour. Mais je pense qu'il doit être... Ouais, ça brille. Alors, si vous êtes amateur de science... Le Muncher, en fait, regardez bien comment il est fait. Le Muncher, c'est un tardigrade. Le tardigrade, c'est une petite bestiole qu'on trouve dans les mousses, qu'on trouve en Antarctique, pris dans la glace. Et le tardigrade peut vivre plusieurs dizaines de milliers d'années dans la glace. Et on peut le réveiller. Il suffit que vous fassiez fondre la glace et le tardigrade se réveille. C'est un organisme, une petite bébête, on appelle ça l'ourson, un petit ourson. Parce qu'il a une petite bouille d'ourson. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez les tardigrades, mais c'est pour la minute culturelle. Et si je pousse le bouchon, on va faire ça tout de suite. Regardez, je vais vous montrer le truc. Le tardigrade, je vous le montre tout de suite. Voici le tardigrade, et vous allez voir que le tardigrade, je vous montre le Muncher, et le tardigrade, eh bien, et le Muncher, eh bien, un tardigrade. Voilà la bête, le petit ourson. Vous voyez? Je trouve que les mecs, ils se foulent pas pour faire des monstres ou des fantômes
dans les films. Ouais, le Christophe, oui, l'immortel, c'est ça, ouais. Quasi immortel, la petite bébête. Voilà. Ah, la NASA, on a mis en orbite, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ce qu'il faut savoir aussi, oh, c'est, on va continuer dans les minutes culturelles, c'est on a aussi une bestiole qui est ultra résistante, c'est le cafard. Le cafard qui résiste à tout ce qui est nucléaire, qui résiste, vous le passez au four micro-ondes, il résiste. Voilà, ça fait parmi les bestioles qui peuvent résister plutôt bien. Hein. Voilà. Je vais prendre l'autre parce qu'il est loin, là maintenant il est grand. Hein. Regardez. Hein. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Halo, j'y ai un petit peu joué hein, sur la Xbox 360. C'est pas la licence du siècle pour moi. J'aime bien, mais c'est pas non plus. Voilà. Bref. Hein. On peut mettre comme ça. Hein. C'est sympa. Je trouve qu'il pourrait être un petit peu plus sérieux comme jeu. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi je l'ai pris, le Master Chief? Regardez la bête. Regardez la taille du Master Chief. C'est juste de la bombe atomique. Le Master Chief, là, vous êtes assis là? 14,99 €. Hein. Donc, sachant que c'est des figurines qui coûtent entre 39 et 45 euros, j'aurais été vraiment stupide de ne pas le prendre pour 15 balles. Sans déconner. Voilà, Christophe Lalu qui me dit que les tardigrades, ils en ont mis dans le vide spatial, justement, pour voir un petit peu comment ils se comportaient. Bon, apparemment, ça ne va pas les affecter plus que ça. Hein. Ouais, j'ai fait des frais, mais regardez, pour 15 balles, regardez, vous avez vu la taille de la main, de ma main, par rapport à la figurine? C'est moi pour 15 euros, mais oui, il faudrait que ça soit vendu toujours ce prix-là, mais ils en vendraient des caisses et des fûts. Hein. Ça à 15 euros et les autres petites à 3 euros, et puis feu, quoi. C'est génial. Si Christophe, c'est Halo, tout à fait. C'est le Master Chief. Est-ce qu'on peut, on peut, est-ce qu'on peut pas, on peut pas, on peut pas. La tête, un petit peu la tête, voilà. Donc je vais le mettre, bon il est déballé, je vais le laisser là. Hein. Je le remballe tout à l'heure. Voilà, je vais essayer de pas abîmer la boîte que je vais mettre ici. Je fais du ménage. Je vais vous montrer d'autres choses. Des fois, j'achète sur plusieurs semaines et puis je conserve ça. Et quand j'ai un live où j'ai pas grand-chose à montrer, ben je vous déballe ça. Et vous voyez, ça fait le taf. Hein. Ça fait bien le taf. J'ai acheté, toujours chez Noz, il y a quelques temps, des dinosaures papots sous forme de pochette surprise. Je peux me mettre là, comme ça. Dinosaures papots sous forme de pochette surprise. Eh bien, écoutez, j'ai rien déballé. Donc, on va regarder ce qu'on a dedans. Et j'ai payé ça à 99 centimes, pièce. Sachant que c'est des pochettes surprises qui valent 3 euros, 3-4 euros, hein, je pense. Hein. Christophe qui dit, je suis pas jeu vidéo, mais il a kiffé le personnage de Master Chief. Allez, on va déballer le premier sachet. Papo, qu'est-ce que j'ai? Ah, oh, super! J'ai chopé le T-Rex. Bon, ben voilà. Premier jet, le T-Rex Papo, je l'ai. Alors la finition n'est pas top top parce que, parce que ça reste petit quoi. Et encore que c'est même pas une excuse parce que je suis désolé. Hein. C'est guère plus petit que celui-là. Et la finition est quand même top du top celle-ci. Mais je crois que celui-ci, c'était un. Ça devait être une licence. Hein. Une licence Jurassique ou un truc comme ça. Même, ça ne justifie pas la chose. Donc voilà, ça vaut 99 centimes. Hein, soyons clairs. Ça vaudrait peut-être même plutôt 20 ou 50 centimes. Le voici. Je vais ouvrir le deuxième sachet devant vos yeux ébahis. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le Triceratops. Il est pas mal. Je vais avoir les principaux. C'est trop cool. Le tricé, plutôt bien. Voilà, c'est réussi. Ça reste du papot, hein, donc c'est quand même cool d'avoir du papot en collection, même si c'est tout petit. Voilà. Je savais même pas que ça existait, ces petites pochettes. Alors, Lego, on a fait. Et puis finalement, ils se sont tous mis sur le truc. Hein. Le troisième sachet. Ah, j'ai chopé le Raptor. Super. Eh ben, celui-ci, il est vachement bien. Voilà. Le Raptor. Est-ce que je peux faire le point? Voilà, à peu près. Voilà, c'est une catastrophe, ce truc. Voyons voir.
Si je me mets comme ça, est-ce qu'on va voir le Raptor? Trop petit. Il va pas faire le point. Si, à peu près par là, là. Donc le Raptor est plutôt, plutôt propre, vous le voyez. Hein. Voilà. Tac. Très cool. Bon, bah, j'ai le T-Rex, le Raptor et le Triceratops. Ils tiennent debout. C'est une bonne nouvelle. Je vais vous les mettre ici. Là. Comme ça, vous allez voir qu'ils tiennent debout. Voilà. C'est bien tout ça là. Suspense, le dernier du der. Hein. Pas de doublon. On croise les doigts. Et j'ai pas de doublon. Ankylosaure. J'ai chopé un ankylosaure. Eh bien écoutez, je m'en sors plutôt pas mal. Au tata, j'en ai pas mal. Hein. Donc je suis très content. Voilà. J'en ai un de chaque. L'ankylosaure. Trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, pour moins de 4 euros, bah écoutez, voilà, ça me fait un petit peu de matière. Ils vont rejoindre leurs potes dans la vitrine. Hein ? Je m'en sors super bien. Ouais, CCL77, oui, Nose, c'est vachement bien. Bon, après, ça marche pas surtout à tous les coups. Hein. Nose, pas mal. Et encore que celui de Vichy est génial parce qu'il essaye de faire en sorte que ça soit moins foire. Moins bordélique, hein, soyons clairs. Hein. Je suis allé à Action aussi, enfin chez Action, et le magasin Action, il y avait des trucs à tâter, des polybags Lego, mais mort. Le polybag, je voulais offrir ça à ma femme parce que c'est des petites fleurs, mais les polybags sont morts. Ils sont dézingués, il y en a qui sont ouverts. La vendeuse, je lui dis, tu veux pas... Enfin, je lui dis, vous avez un polybag qui est ouvert, il est déchiré. Ouais, bah vous y laissez, je verrai ça tout à l'heure. Donc rien à foutre. Donc c'est à l'image de, voilà, la limite, le je m'en foutisme à l'image de ce qui est en rayon dézingué. Donc c'est dommage. Mais à Nose, voilà, chez Nose à Vichy, en l'occurrence, c'est un magasin qui est bien tenu, qui est de mieux en mieux tenu, plus en plus clean, nickel. Il a mis des rayons là cette semaine. Top du top. Hein. Voilà, on a fait une bonne pioche. Je vais vous montrer une petite perlouse que j'ai trouvé aujourd'hui chez Leclerc Jouet. Je ne suis pas sûr que ce soit collector, mais je vous la montre quand même. J'ai foutu, j'ai mis la main sur une Hot Wheels Braille Racer Twin Mill. Pourquoi Braille Racer? Parce que, regardez, c'est du braille. Voilà, et en fait, elle a un logo ici. Et le logo, c'est Fédération Nationale des Malvoyants. En gros, je résume comme ça. Ce qui explique pourquoi elle est toute blanche. C'est la gamme Xperi Motors. Je vais vous montrer ce que c'est comme gamme, parce que j'en ai d'autres ici. J'en ai une ici. Voilà, et j'en ai une autre. Ouais, je les ai déplacées, c'est pas grave. Mais vous allez au moins voir celle-ci. C'est de la gamme Xperi Motors. Et c'est comme les coupés clips, voilà. Coupé clip qui est donc du porte-clé, sauf que la Braille Racer n'est pas du porte-clé. Je la laisse sous blister, bien évidemment, parce qu'effectivement, voilà, on a cet aspect de braille dessus. Vous le voyez, voilà. Et regardez de dessous, le véhicule, le châssis du véhicule est en braille. Donc, je pense qu'on a le logo Hot Wheels qui apparaît en braille. Et puis, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve, mais caviar, mais vraiment caviar. Je vous ferai sûrement un short ou un truc comme ça, où je vais la présenter, un TikTok, voilà. Short et TikTok, c'est une tuerie, c'est juste une tuerie, ce bagnole. Hop. Voilà, voilà. Bien, je m'en sors pas mal. Hein, on a bien meublé, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, voilà. Christophe qui dit, CCL, j'ai essayé les sachets Hot Wheels, j'ai jamais eu de bol, que des inventions, t'as abandonné, ouais, ok. Phil Sniper, excellent, ok, ça roule, bien, bien. Je pars sur quoi, là? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah, oui, je peux parler de ça. Bon, le Bob, là, que vous voyez là, je sais pas si vous le verrez, ah, peut-être que si, on verra, suffit que ça me prenne. Le Bob, là, il va jarter, je vais le faire en pop art. Voilà. Et je vais recommander des bobs parce que j'ai trouvé un site sur lequel les prendre. Donc, je vais commander d'autres figurines Playmobil. Je vais aussi le Mario là, qui est là. Là, celui-là, c'est pareil. Direct pop art.
Je vais me faire deux figurines parce que j'ai vendu celui-ci l'an dernier en version pop art et je vois que mon stand d'art a besoin de trucs un peu nouveaux, notamment ces choses-là. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir mon imprimante 3D. Donc voilà, je pense que très prochainement, les deux là vont partir à l'atelier pour être mis en figurine artistique, plutôt artistique. Voilà. Ah oui, c'est CL77, c'est vrai. Ça marche comme les figurines Lego. Vous avez des codes, des codes ou des petits points à tâter derrière. Et en fait, tu as des tableaux de correspondance pour quand vous avez des pochettes surprises, où il y a des tableaux de correspondance pour savoir les codes, ce qu'il y a dans le sachet. Ou des codes ou des petits points granulés. C'est granuleux le sachet. En fait, en fonction du nombre de points, de l'espace qu'il y a entre les points, vous allez savoir à quoi ça correspond le truc qu'il y a dedans. Voilà, voilà. Non, West Miniature, c'est pas Martial, j'ai décidé de l'appeler Bob. Voilà. Christophe Lalu, oui, customisation, tout à fait. On va parler du bon plan de Valentin, qui, je pense, s'est sauvé. Valentin, je vais remonter la discussion. Si vous entendez ronfler, c'est mon chauffe-eau thermodynamique qui vient de démarrer, donc c'est pas grave. Donc Valentin, que je remercie, nous a donné une astuce. Si vous avez un Intermarché vers chez vous, en fait, si vous achetez 3 Matchbox ou 3 Hot Wheels, vous en avez 3 offertes. Donc ça vous revient en gros à l'arrache à 1 euro la voiture. Je trouve que ça vaut carrément le coup. Donc Matchbox ou Hot Wheels, 3 achetés, 3 offertes chez Intermarché en ce moment. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer le tableau que je suis en train de faire. Vous allez peut-être pas aimer. Écoutez, je crains pas. Ça va changer de ce que je fais d'habitude. Ça, c'est sûr. Vous allez voir que... Hop là, je me mets là. Je suis en train de faire un tableau avec des tournesols. Voilà. C'est un tableau qui va partir donc au Brésil. Pourquoi j'ai ça? C'est parce que je vais faire une couverture Vogue. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Non, si, je sais à peu près où je vais avec celui-là. Et je pense qu'il va être assez cool. Vous voyez, je fais un petit peu de tout en style de peinture. Voilà. Je vais mettre Vogue, je vais marquer girasol, peut-être mettez de la lumière dans votre vie en portugais, voilà, un truc comme ça. Voilà, voilà. Il est en cours, c'est pas terminé. Je vous montrerai ça, je le posterai peut-être. Hein. Beaucoup moins pop que ce que vous avez l'habitude de voir venant de ma part. Ouais, c'est un Kundelich. Non, c'est un Picasso. Ouais, je sais pas, c'est un Picassiette aussi, surtout. Non, je sais. Mais voilà, au moins, je fais plein de styles différents. C'est marrant parce que ça me permet aussi de réviser un peu les techniques de peinture, voir un petit peu comment la matière se comporte, et la matière de base, la toile, et aussi les peintures que j'utilise. Donc... Eh bien, en fait, Christophe, ce tableau part, oui, il va partir au Brésil. Voilà. Pourquoi tu es surpris? Ça arrive. Van Gogh. Alors, Van Gogh, une fois que je l'ai eu fait, il y a un truc qui se dégage. Je suis loin de Van Gogh. Hein. Mais il y a un truc, il va être cool. Voilà. Oui, Christophe qui dit, sérieux, il est sympa. C'est un autre style, et même sur un autre style, vous pourriez ne pas aimer, il n'y a pas de problème, je n'ai aucun problème avec ça. Même sur un autre style, bah, je trouve qu'il va être, je pense qu'il va être super cool en fait. Vous voyez, il m'en faut peu. Hein. Ça me permet de, voilà, je change un peu, et puis après je vais revenir sur les, pas les super-héros, mais les héros de notre enfance. Et puis le Satanas, ça va être marrant. Le Satanas, j'ai envie de faire un truc avec Hot Wheels. Mais il faut vraiment que j'arrive à travailler le logo Hot Wheels d'une certaine manière. J'espère que j'arriverai à le faire péter comme j'ai envie. C'est pour ça qu'il ne s'est pas dit que... le tableau Hot Wheels que j'ai envie de faire, je ne s'est pas dit qu'il soit sur le Satanas. Parce que j'ai vraiment envie de travailler un truc un peu space. Donc on verra ce que ça donne. Faut que je fasse des essais avant. Surtout ça. Ouais, Christophe, oui, par l'intermédiaire de sa femme. Non, c'est sa maman qui nous a bien aidé pendant 3-4 mois là, avec bébé. Là. Donc effectivement, ça fait l'occasion d'offrir un tableau qui part là-bas.
Et de toute façon, je vais augmenter mon stock, je vous l'ai dit, mon stock de tableaux. Et ça fait l'occasion d'avoir un pied là-bas, parce que je pense qu'ils ont aussi un petit peu de réseau. Et le but, c'est aussi d'aller démarcher les galeries au Brésil quand on va y aller, peut-être probablement l'année prochaine. Voilà. Oui, West Miniature, oui, je sais dire girasol. je parle même plus français. Le tournesol, oui, les tournesols en portugais, c'est girasol. C'est assez facile, hein. Sol, soleil, gire qui tourne, voilà. C'est bon, hein. Les girasols. Bah, CCL77, non, ma femme est brésilienne. Sa mère est forcément brésilienne, hein, bien entendu. Donc, voilà, et puis comme ils ont une grande famille, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, voilà. Des gens qui ont des postes un peu cool aussi. C'est pas une question de vouloir me faire valoir, mais on en avait parlé avec ma femme. Je pense que ça peut être d'y aller, ça peut être une super occasion aussi d'aller présenter un petit peu ce que je fais là-bas. Et si je vends pas en France, c'est pas grave. Voilà, si je vends pas en galerie en France, c'est pas grave. Si je suis représenté ailleurs, encore mieux. Limite, je préfère être représenté en galerie à l'étranger. Et une fois que je suis repéré à l'étranger, revenir un peu en France, dire ouais, voilà, que des galeries en France me disent waouh, on vous a vu là-bas. Ouais, bah ouais, bah, y penser avant, quoi. C'est incroyable quand t'es artiste, c'est toute une question de stratégie, c'est du marketing, c'est toujours se montrer, c'est toujours. Donc voilà, je teste plein de filons différents pour un peu tester les réseaux. Mais ça va y aller. Ça va y aller. Je suis pas plus pressé que ça, mais ça va vraiment y aller. Je suis sûr de coup. Voilà, voilà. Bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Je suis en train de voir, vous allez les voir là. Ouais, enfin, vous les voyez pas tout à fait bien ici. La disposition des dinosaures là, tac, 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 parce que celui-là, vous le voyez pas. Mais avec le nombre de dinosaures que j'ai, je pourrais presque faire, vous savez, l'évolution, partir du plus petit et faire un truc super grand. Peut-être qu'un jour, je les positionnerai comme ça. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là parce que je vais aller manger et que je vais aller faire un tour dans une galerie d'art qui ouvre de 18h à 22h à Moulins. Qu'est-ce que je rêve, Damien? Ouah, arrête, Damien. Oh, t'es ouf, quoi. Je suis touché. Je suis un peu ému. pardon, ça c'est mon côté très très émotif. Il y a Damien qui vient de me faire un don de 5€, je le remercie infiniment. Merci beaucoup, c'est mon premier don et je ne l'oublierai jamais. C'est mon premier don sur un live et sincèrement, merci infiniment. Parce que c'est grâce à des gens comme toi que je suis là, donc vous me devez rien. C'est voilà, si vous avez envie de le faire, vous le faites, mais vous me devez vraiment rien. C'est vraiment, vraiment super gentil de ta part. Je te remercie vraiment, vraiment infiniment. C'est gros, hein. Même, enfin, 5 balles, c'est vraiment gros. Je sais ce que ça vaut. Et c'est vraiment... enfin, j'ai pas les mots. Je suis désolé. Merci infiniment. Donc, ouais, je vais aller voir une galerie d'art à Moulins qui ouvre de 18 à 22 heures. Un artiste qui est cool. Alors, je sais pas ce qu'il expose, là. Je crois qu'il expose plusieurs artistes dans son truc. Donc, ça va faire l'occasion d'aller boire un pot parce que c'est un bar aussi. Et puis, voilà, je vais kiffer. Et puis, peut-être que je vous ferai un petit TikTok ou un petit short pour vous montrer sa galerie. Merci infiniment à toutes et tous de m'avoir suivi sur ce live. J'espère que le contenu vous aura plu. A priori, oui, c'est très cool. Je suis très content. Je ne misais pas dessus. Sincèrement, merci à Damien pour son geste, pour mon travail, comme il dit, effectivement, YouTube est quand même un travail. Ça me touche énormément, l'ami, hein, et vraiment énormément. Tu peux pas savoir à quel point, enfin, tu l'as vu. Tanox, bah écoute, Tanox, tu reverras le. À moins que tu nous suives depuis le début, bah, sinon tu reverras la rediff. Et puis ceux qui nous prennent en cours de route, revoyez la rediff. C'était un putain de bon live. Voilà, au-delà du cadeau de Damien, j'ai kiffé être avec vous. On a été nombreux tout le long du live. Je vous dis à très très vite. Michael Barbu, sont déductibles des impôts. Ça dépend comment que tu les déclares. C'est déductible des impôts sur les associations et les choses comme ça.
sur les créateurs de contenu, il y a peut-être des moyens de défiscaliser, je ne sais pas. Je peux faire un reçu le cas échéant si besoin. Je ne suis pas sûr parce que moi, je le déclare sur mon... Ouais, je les déclare, donc je ne suis pas sûr. Ouais, bah c'est une heure et demie des fois, bah, ça fait une heure dix. Merci à toutes et tous, encore une fois, la bise tout le monde. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dimanche, il y a une vidéo qui sort, mercredi aussi. À très bientôt pour le prochain live. Si vous avez des pistes pour le prochain live, je suis open. Je vais continuer de récupérer un peu d'actu. Et puis, on verra ce qu'on fait sur le reste du live. La bise, à très vite sur le monde de l'Umpy. Merci encore et merci encore Damien Vanzal, je ne sais pas, qui nous avait fait l'honneur de présenter sa collection sur le précédent live. Et je vous invite à aller voir ça. Il y a du Predator, il y a plein de choses et c'était énormissime. Tchuss, à très bientôt sur le monde de l'Umpy.